Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Track Day. Aujourd'hui, place à une petite voiture de super tourisme du BTCC, la BMW 125i, introduite il y a quelques années pour remplacer la 320Si qui était en compétition depuis, je crois, 2006 ou 2007 en BTCC. Cette voiture est proposée de manière assez fidèle, une modélisation 3D plutôt sympathique, même si l'intérieur est encore un petit peu à revoir. Le seul souci que j'ai avec cette voiture, c'est le fait que ce soit une propulsion. Et j'aurais bien aimé que ce soit une traction, c'est un petit peu plus tourisme en tout cas dans les générations actuelles. Ça m'aurait fait bien plaisir de voir une voiture à traction, donc un comportement. La voiture existe dans les deux systèmes, mais j'aurais bien aimé la voir en version traction tout simplement. En tout cas, un mode bien sympathique que vous pouvez trouver dans la description. J'ai été surpris de le trouver aussi facilement, j'en avais pas entendu parler, visiblement il est dispo depuis quelques temps. Et voilà, un comportement agréable qui s'équilibre bien avec la Honda Civic BTCC dispo développée par ISI, hein, qui a développé R-Factor 2. Donc vraiment une bonne voiture à mettre en compétition avec cette Honda Civic. Il manquerait éventuellement une Audi A4 et une Ford Focus pour avoir un calendrier bien sympathique à se faire avec ces modèles-là pour recréer l'ambiance du BTCC. En attendant, eh bien, je vous laisse profiter du traditionnel track day, donc monter le son et profiter de cette BMW 125i.